C'était un réel plaisir de vous savoir nombreux, fidèles téléspectateurs, tous les, je veux dire, tout le week-end. Vous êtes avec nous et le début de la semaine lundi. On est là samedi, dimanche, lundi pour vous tenir compagnie, vous apporter des grandes informations qui ont émaillé la semaine. C'est ces informations que nous décryptons de fond en comble dans cette émission qu'on appelle Web Press avec des journalistes chevronnés, les chevaliers de la plume qui viennent chacun étoffer leur argumentation. Si pas expurger la bile de leur foi. Merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous. Aujourd'hui, nous avons trois invités. Un sera avec nous d'un moment à l'autre. Deux sont déjà sur ce plateau. Le premier, il est aujourd'hui avec nous. Il n'était pas avec nous les deux ou trois numéros passés. Visiblement occupé, toujours au service de la nation. Mais aujourd'hui, il est venu. Je dois quand même avouer que c'était un soldat au service du peuple parce que je l'ai pris à pied levé, mais pour vous servir, il a accepté d'être là. Il s'appelle Dionite Kalinda. Bonjour, bienvenue Dionite. Bonjour cher Peter, merci beaucoup de l'invitation. Je dois avouer que j'étais pris à pied levé. Oui, c'est à pied levé, mais nous sommes là pour servir la nation, comme vous venez de le dire, parce que c'est ça notre métier, c'est ça notre travail. Un cordonnier, même quand il fermait déjà, si vous lui amenez une paire de chaussures pour accoler, il ne va pas vous dire non, écoutez. Non. Quelles que soient les conditions, il doit vous donner la solution. Et nous, nous sommes là pour pouvoir analyser l'actualité politique, pour pouvoir aider notre peuple à comprendre ce qui se passe et à pouvoir se décider sur des positions à prendre en ce qui concerne la marche de la nation. Voilà pourquoi je ne pouvais pas déroger à la règle. Voilà pourquoi on est là. Au service du peuple. Oui. Merci. De l'autre côté, au Moudjahidin du peuple. Moudjahidin Nico Fembikay, bienvenue. Bienvenue mon frère. Tu vas bien mon frère? Oui, je ne vais pas bien parce que la santé a fait des problèmes. J'avais une forte toux et la grippe, mais néanmoins, comme c'est une obligation républicaine, il faut que je sois là. D'accord, j'espère que tu vas nous dire encore aujourd'hui ici les prix, parce que ça semble que tu es spécialisé. Maintenant, quand j'ai dit que tu venais dans l'émission, quelqu'un m'a dit, en tout cas, à ce début, sur l'évolution, il y a ma Kambouna marché. Au début, ça paraissait comme une blague, mais maintenant, ça commence à prendre de la mayonnaise commence à prendre, je vais te dire, au sein de l'opinion. Non, vous savez, il faut... On a toujours à 1 milliard de kilomètres d'avance parce qu'on a tendance à confondre, à détourner l'attention de la population. D'accord. La politique, le pouvoir, n'ont que deux missions principales. Lesquelles? Primo, sécurité des personnes et de leurs biens. Secondo, l'intérêt général. Très bien. Au-delà de ceci, tout ce que vous pouvez faire, vous trompez la population. Ok, il faut mettre le téléphone sous vibro pour que ça ne sonne pas. Le dernier invité, j'ai annoncé, j'ai dit qu'il n'était pas encore là, mais il est là, pendant que j'ai présenté. Mon coiffeur a pris un peu du temps. Exact, voilà. tu t'es fait beau là. Bienvenue Eric Wemba. Merci pour l'invitation, j'ai salué Jenny Kalinda, j'ai salué mon ami et frère Nico Fay. Merci beaucoup. Pour débattre, pour l'intérêt de la République. Le pied sur le plat, parce que nous n'avons que 50 minutes, et on doit bien épuiser, on doit bien consommer notre temps, pour nous éviter, je reste avec toi, Zoé Kabila. Destitué Tanganyika. Hier, c'est le FCC qui est destitué à leur manière. Et aujourd'hui, Fatih est en train de déboulonner même dans les provinces. Non, écoutez, c'est un les résidus du régime Kabila. En politique, c'est normal, c'est un coup politique. Mais ce que nous regrettons, ce sont les voies de fait qui ont été choisies. On ne peut pas en même temps empêcher. Vous appelez Félix, vous appelez Zoé ici, par le ministre de l'Intérieur, vous dites qu'il ne peut pas se rendre à Lubumbashi, à Tanganyika. Et les députés du MFCC ont été empêchés d'entrer dans la salle. C'est-à-dire, moi, je ne reproche pas, c'est un coup politique. On sait qu'on cherche à contrôler les Katanga, qui est un bastion important pour des raisons électorales. Mais ce sont la manière de faire, la procédure. C'est là où ça fâche un peu, un tout petit peu. Je crois qu'un état de droit que nous voulons construire, on doit reconnaître les droits de la défense. Quelqu'un a été destitué sans qu'on lui donne les occasions de se défendre. Ce n'est pas acceptable dans un état de droit. Et moi, je condamne. Ça peut arriver à n'importe qui, nous condamnerons. Mais les députés ont été majoritaires, 13 députés, bon, dans une assemblée. J'ai dit, oui, ils ont, moi j'ai dit, bon, Félix a estimé qu'il faut faire table rase, même si on dit que certaines mesures, quand même, il a mieux travaillé que Maurice à l'IDPC. Tu sais qu'on a détesté les régimes de Kabila, mais si on donne un peu les bilans
désolé à Tanganyika, il a mieux fait que l'homme de l'IDPS qui était gouverné. Ah qui bon? N'a pratiquement rien fait, qui n'a fait que pire. Mais Maroé Jean aussi est parti, non? Ah oui, il est parti. Donc il a mieux fait. Tous partent alors. Non, mais je ne dis pas que tous. Oui, moi je ne suis pas contre que Zoé parte. S'il gênait le régime, parce que l'Union sacrée voulait tout contrôler, c'est les frères de Joseph Kabila, tout ça, c'est bien bon. Mais la manière de faire fâche, et ça nous énerve, nous qui avons combattu dans ces pays pour l'état des droits. On a destitué Zoé, il n'a pas eu les droits, il n'a pas présenté ses moyens de défense. Des choses qu'ils ont fait eux-mêmes hier aussi. Hein. Et, avec moi. Faut pas oublier. Hein. Mais si on a été au pouvoir. Les pratiques que les Kabila ont fait. Je viens d'être avec un combattant. Ils sont en train de payer aujourd'hui. En fait, si on doit tout justifier par la jurisprudence GKK, c'est que cette alternance a été échec. Si nous avions voulu l'alternance, c'était pour marquer la rupture. Merci. Jeannette Kanida, il fallait marquer une rupture. Malheureusement, on prend les mêmes pratiques d'hier. Et Eric Wemba n'est pas d'accord avec la manière de faire de Zoé, de la manière dont Zoé Kabila est tombé. Réaction. Non, mais il y a certainement des choses d'hier qui vont se répéter aujourd'hui parce que nous sommes face à des politiques. Ce sont les mêmes acteurs qui sont en face. Et que si nous n'avons pas un autre modèle politique, eh bien, c'est le modèle congolais qui va continuer à s'appliquer. Mais seulement, moi, je me dis, si nous sommes en face d'un président qui prône l'instauration d'un état de droit, l'état de droit, il est basé sur le respect des règles, le respect de la norme, le respect de la loi. Oui, faire partir Zoé Kabila, oui, déboulonner tout le système Kabila, je suis bien d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec la malfaisance. Je ne suis pas d'accord avec le non-respect des lois de la République, le non-respect des textes. Ça, je ne suis pas d'accord parce que état de droit que nous appuyons, que nous voulons de tous nos voeux, doit reposer sur le respect des textes. Zoé Kabila, il méritait de pouvoir donner sa réponse aux accusations des députés. On a dit qu'il n'avait pas un leadership pour pouvoir mener la province du Tanganyika. Il n'a pas de considération pour les autres institutions de la province. Il y a eu plusieurs accusations. Il fallait lui donner l'occasion. Il ne sait pas parler français. C'est tout il ça. Il ne sait pas communiquer. On a dit. La langue officielle au Congo, c'est la langue de l'administration, c'est la langue française. Je suis bien d'accord que tout ça soit à charge de Zoé Kabila. Mais seulement, je me dis, que gagne Félix Tshisekedi à avoir des personnes qui ne veulent pas beaucoup réfléchir? Réfléchir en profondeur pour donner des solutions qui ne seront pas après critiquées d'une manière ou d'une autre. Mmh. Donc c'est quelque part le manque. Les gens ne travaillent pas en fait. Il suffit de travailler sérieusement, de réfléchir sur comment on peut déboulonner le système Kabila sans fâcher la loi, sans pouvoir fâcher les règles, et l'éthique et tout ça. Mmh. Donc les gens ne veulent pas travailler. Les gens veulent aller droit au but. Ils veulent aller droit au but, mais qu'est-ce que Tshisekedi gagne en ça? Est-ce que le départ de Zoé, avant-hier, ça a changé quoi aujourd'hui? Est-ce que ça ne pouvait pas intervenir demain ou après-demain? Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec... Il y avait une précipitation quand même. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette manière à la va-vite de traiter les choses, de liquider les affaires. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. De l'autre côté, Moudjahidine du peuple... on a quand même remarqué dans le réseau même, hein, tous les généraux avec le départ de Zoé, on a dit que même le diable, on doit quand même lui accorder la parole pour parler, l'entendre, le droit à la défense si vous voulez. Et sacré dans mais comment on va destituer quelqu'un sans l'avoir entendu, bloqué à Kinshasa, il ne sait pas rentrer à Tanganyika, est-ce qu'on n'a pas fâché la loi? Ah, c'est la question que vous m'avez réservée. Avant toute chose, je dois procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 950 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 691 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État et 432 jours depuis que Covid s'est déclaré officiellement au Congo. Nous disons 959 jours pour la fin des mandats. Non, vous avez écrit 58 là-bas. 958. 958. Voilà. Pour la fin des mandats. Aux gouvernants,
Mettez-vous en tête, c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure, combien les gouvernants ont-ils déjà réservé à la CENI dans les deux exercices? C'est-à-dire... Il y avait le Covid, il ne faut pas oublier. 2019-2020. Il y avait le Covid. Il y a une troisième rubrique ici. 432. Covid. Pendant la même période de Covid, il y a déjà 9 pays africains qui ont organisé les élections présidentielles et législatives séparées. Est-ce que c'est le Congo? Avec la grandeur du Congo, un pays continent. Oui, vous avez la grandeur avec un budget de honte, maigrissant, scélestique. Et Belachida, 3 milliards non exécutés. Mais là où vous, là, chez les autres, prenez le Brazzaville ici. À quel budget? 7 milliards. Or, vous êtes venu sur fond de bonne gouvernance, état des droits, social. Zoé. Ça ne me surprend pas. C'est votre régime du rassemblement que vous avez voulu. Moi, je suis l'homme le plus heureux. Je vous le disais, soyez sincères. C'est le moment. Vous maudissez la République. Non. Comment voulez-vous que les gens qui ont menti sur la place publique, qui ont fait tuer les gens, vous posez la question, vous faites tuer les gens pourquoi? Les gens qui ont applaudi les Kamouna Sap ont tué Maman Chantal, alors administratif du marché Zando ici, vous applaudissez, vous les gens du Rassemblement et les Sango. Où est l'état des droits? Écoutez, nanu bo monité na bato oyo boko mona. Oyo, nanu bo monité boko mona. Zoé. Mais c'est ça que je dis. Non, tu l'as encore. Moi, j'ai nos états des droits. Aujourd'hui, je vois les gens ne veulent plus encore regarder la Constitution. Hein. Hier, c'était tous pas ma Constitution. C'est pas question. Ça, c'est la Constitution de mon pays. En lambeau. Voilà, on le dit, oui. Ma conscience est en lambeau parce que je l'utilise tous les jours. Ok, mais tu vois aussi bien. Je l'utilise tous les jours. Bien utilisé. Ce n'est pas votre conscience où vous vous avez mis dans les tiroirs. Je vais vous offrir. Oui. Oui, ne soyez pas aussi comme les autres qui promettent et qui ne réalisent pas. Zoé, Zoé. Article 19. Je vous lis le deuxième paragraphe, le deuxième alinéa. Les droits de la défense est organisé et garanti. Même si tu as tué la personne, on ne va pas aussi t'abattre à vos portes. On doit t'entendre d'abord. On doit d'abord t'entendre. Connaître les mobiles. Dites-moi, y avait-il péril à la demeure? Mais moi, ça ne me surprend pas. C'est dans leurs habitudes. Ils n'ont pas la culture des tests. Ils qui? Les partis présidentiels. 38 ans. Combien de congrès? Des congrès. Sans parler des violations permanentes, constantes, que nous avons citées depuis que ce régime existe. Au lieu de faire le travail pour lequel on est investi, on n'est pas investi pour s'élancer dans des guerres inutiles et stériles. On vous investit comme président de la République. On vous investit comme premier ministre pour sécuriser les personnes et leur bien et leur donner ce dont ils ont besoin. Voyez ce que nous avons dans les poches. Chargeur. Chargeur. Avant de commencer l'émission, il y a une coupure. Quel est ce congrès aujourd'hui qui peut se promener sans avoir un chargeur? Voici les deux sens. On dirait que tu as mis ça dans la poche exprès. Amatungi, il y a du courant. Écoutez, en bon? En bon? Dans le plateau sur lequel nous sommes, en face de nous, il y a combien de téléphones à la charge? Le mien, il est à la charge. Il est à la charge. Et même, j'ai hésité avant de venir. Je me suis dit, oui, je vais venir. Qui vont nous suivre? On préfère aujourd'hui les émissions sur YouTube et les émissions à la radio. Qui vont nous, combien vont nous suivre? Mais avec les transports, il n'y a pas sur Oyaba Tchakou Oyo. Il y a ma demi-terrain, il y a ma 1000 francs. Alors, nous nous disons ceci. Moi, ça ne me surprend pas. On n'a pas encore violé. On violera toujours. Oh. Ah, oh. D'accord. Visiblement, maintenant à ce stade, qu'est-ce qu'il faille faire? Zoé, je crois que ce sera la Cour constitutionnelle où j'ai vu Zoé a dit qu'il c'est peu que je me trompe, mais qu'il s'abandonnait à la sagesse du chef de l'État. Visiblement, il ne va pas toucher à la Cour constitutionnelle, Eric Wemba. Non, écoutez, je n'ai pas joué malheureusement à tourner, parce que quand vous attendez les conseils du ministre, le président a donné l'ordre au ministre de l'Intérieur d'organiser les élections. Les élections là où donc, le gouvernement... Je pense que la page est jouée et malheureusement tournée, il faut le dire. Bon, écoutez,
Il faut voir maintenant, c'est là qu'ils vont venir, s'ils vont faire mieux. Mais je pense que la page jouée est aujourd'hui tournée. Parce que quand Tshisekedi dit au ministre de l'Intérieur d'organiser les élections, donc ça veut dire... Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui avec la manière de faire La manière de faire pose problème, beaucoup. Ça la procédure... Parce ceux qui sont autour du chef ne peuvent pas aider le chef à bien faire les choses. Vous voyez même... Comme vous avez vu, dit tout à l'heure ici... Vous avez vu l'affaire Syllabus, non? L'affaire Syllabus. Il a fait quoi l'affaire Syllabus? Ah non, écoutez, il y a Wifi égale Syllabus. Plus jamais des Syllabus. Les professeurs grondent. On fait un rétropédalage au Conseil des ministres. Il y a énormément de problèmes. Et on dit quoi? Je pense qu'il y a nos universités. Quand j'ai fait mon inscription à l'IFASIC, nous on payait les frais et les recteurs avaient pris la décision que dans les syllabus devaient faire partie de nos frais. C'est-à-dire que les frais là que nous payons, nous avons droit à quelques syllabus de certains cours. C'était avec les professeurs Ricambo. Je pense que les problèmes des syllabus peuvent être réglés. C'est un problème interne qui peut être réglé dans les universités. Au lieu de s'amener au niveau du Conseil des ministres. Je pense que les pays ont beaucoup de choses. Parce qu'on n'a pas aussi beaucoup compris les rapports qui entre RAM. Oui, donc ça veut dire que moi, c'est que je trouve un peu compliqué. Vous voyez, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je l'ai vu quand même qu'il trouve du temps. Au-delà du problème qu'il y a dans le pays, dans l'Assemblée nationale, il trouve quand même du temps pour aller inaugurer de nouvelles toilettes dans une école à Kingabwa. Je sais qu'on a le droit d'être en pré-campagne, mais vous voyez vraiment là où on nous amène à un moment donné. Moi, ça me tracasse un tout petit peu. Mais je crois que la République a énormément de problèmes. Nous ne savons pas, il y a une totale confusion. Moi, j'ai vu les tout premiers conseils de ministres. Et malheureusement, c'est que ce grenier est arrivé. L'hyper-présidentialisation. Ça veut dire... C'est-à-dire que dans les conseils de ministres, ce sont les ministres qui amènent les dossiers. Et le président est là pour diriger les conseils de ministres par rapport à ces dossiers. On débat, on approuve ou pas. Mais vous voyez, nous sommes encore nostalgiques du président fondateur. Nous sommes encore nostalgiques d'un dictateur qui vient. Non, j'instruis. Moi, j'étais offusqué, le président instruit. Désormais, les bus des universités seront gratuits. Nous avions tous suivi les programmes du Premier ministre. Nulle part, il n'a été question de la gratuité des bus des étudiants. Mais les présents s'amènent. On n'a pas tout vérifié, un peu comme ça. Là. Et puis demain, quand on ne sera pas à mesure, quand nous viendrons qui tirer, on va dire que non, c'est Katoumbi qui nous envoie. Mais on ne vient pas. On est président, on n'est pas là pour prendre des mesures populistes. Il faut, vous avez des ministres et qui étudient le problème pour voir l'état est possible de faire ceci. L'affaire Syllabus, j'ai appris qu'on a demandé au ministre de l'ESU de chercher maintenant le moyen, non? Mais voilà, donc des rétributions. J'ai dit que ça, ce n'est pas le travail du gouvernement. On a demandé au ministre de l'ESU de chercher le moyen. Ce n'est pas Moïse Ndonzangi, ce jeune homme-là, excusez-moi. Il a très mal commencé. Excusez-moi, il a très mal commencé. Il a très mal commencé. Comment? Je crois que c'est lui qui a induit Félix Tshisekedi en erreur. Mais... Il vient, d'abord j'ai appris, il n'a jamais disqué à l'université, c'est un gradué, qu'on pense donner un secteur comme le ministère de l'enseignement supérieur, traiter les professeurs et les professeurs, non, on n'y aura plus de vendre des syllabus. Et le président a relayé ça. On a parlé tout de suite là que Zoé ne parle pas français, mais comment on peut amener les chefs de l'État par ses conseillers? Parce qu'on est contre les chefs de l'État, dans un milieu des élites, le président parlait à Lingala. Moi je pense quand même que c'est une entorse. Excusez-moi, oui! À l'université de parler en Lingala. Oui, en tout cas, dans un pays où il y a des élites, le président s'adresse aux étudiants en Lingala. Non, le président est très mal entouré. Ça, une chose est vraie. Il induit le président en erreur. On oui, interdit. Les professeurs ont fait quand même des syllabus, des gagne-pain aujourd'hui, où il y a des cours où quand tu n'achètes pas un syllabus, même si tu travailles bien, tu échoues. Quand dit, tu achètes le syllabus, la solution tu réussis d'office. À mon époque, à l'IFASIC. Aujourd'hui, les étudiants sont d'accord avec qu'on retire quand même parce que on est les trop... professeurs en font oui. beaucoup avec non, ce Est-ce qu'il fallait vraiment qu'on discute de ces problèmes-là au Conseil des ministres? Les universités, les ministres pouvaient avoir les recteurs. Moi, j'ai dit, en autre temps, on avait résolu les problèmes. On avait dit que par rapport à tes frais, tu as droit à autant de syllabus. Donc, c'est un problème interne qui devait être réglé à l'université. On vient, non, il y a maintenant Wifi, plus question des syllabus. Et puis, bon, mais pourquoi c'est rétropédalage? C'est que ce sont des mesures qu'on n'est pas. On ne peut pas, un chef de l'État ne parle pas par émotion ou pour plaire à faire du populisme et puis on revient sur les mêmes décisions, là. Et on est très mal parti. Jusque-là, on est très mal parti. Qu'on évite de faire la, de croire que nous sommes dans un régime dans l'hyper-présidentialisation. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le président, c'est un veilleur, c'est un visionnaire. Il n'est pas là pour se mettre à la place des ministres. D'accord. On doit laisser les ministres faire le travail. Ce que j'ai vu au Conseil des ministres, là, c'est un très mauvais signal. Et on doit vite rectifier les tirs. Je crois qu'il doit y avoir un séminaire de renforcement des capacités. J'ai comme l'impression, les gens ne savent pas. On a amené des jeunes ministres, de Moïse Ndonzangi, qui ne savent pas ce que ça signifie être ministre. On a amené les Samalou Kondé, ils ne savent pas ce que c'est être un premier ministre. Parce que vous avez vu, il n'a fait qu'inaugurer les chrysanthèmes. C'est comme si le président fait tout à la place de tout le monde. L'ère du mobutisme est passée, M. Félix Tshisekedi. L'ère du président fondateur est passée. Je sais qu'il y a Kitengekiev qui est à côté de toi, qui pense que c'est le président qui fait tout. C'est le président qui doit résoudre tous les problèmes. Non, on doit laisser, on doit programmer les choses.
Vous voyez la gratuité bas de l'aile aujourd'hui. Oui, mais quand ça ne marche pas, c'est le président qu'on voit. Donc, il faudrait qu'il soit aussi partout. Parce que sinon, il doit choisir c'est lui qui porte la grande responsabilité. Il doit choisir des bons ministres. D'accord. Denis, ça dit cette question, on dit que le président est mal entouré, on dit qu'il ne fallait pas lancer l'histoire de syllabus. Réaction. Non, mais moi, je crois qu'à un certain moment, lorsque nous parlons de notre pays, nous devons avoir la tête sur les épaules, les pieds sur terre, parce que c'est notre patrie, et notre mère patrie même. Très bien. Nous ne pouvons pas. Hier, nous avons soutenu quelqu'un qui a négligé les études en République démocratique du Congo. On connaît dans quel état se trouvaient les bâtiments de l'UNIKIN. Terrible, hein? On connaît quelle était la place de l'étudiant congolais dans notre société s'il faut comparer aux anciens étudiants qui ne payaient pas le transport, qui avaient droit au logement, qui avaient droit aux indemnités. On a connu des décennies où l'étudiant était négligé, saboté, oublié, parce qu'on ne connaît pas la valeur des études. On a soutenu ces gens. Et c'est à cause de ces gens que certains Congolais se sont levés pour dire « Nous devons mettre ces dirigeants hors d'état de nuire. » En respectant la constitution qu'ils ont amenée aux Congolais, que le parti présidentiel que j'entends décrier ici a demandé aux Congolais de ne pas approuver. On sait que le parti présidentiel, l'UDPS, avait demandé aux Congolais de ne pas accepter cette constitution à travers les référendums populaires parce que cette constitution était, l'acte de vente. Était remplie de pièges contre le Congolais et le Congo. Mais fort dommage, cette constitution est passée. Mais c'est telle que nous avons aujourd'hui. Alors on ne peut pas nous dire non. Les gens qui ont fait tuer les Congolais. Ça, c'est saper sur la mémoire de nos compatriotes qui sont morts pour revendiquer les droits. L'état de droit. L'état de droit dans ce pays. C'est cracher sur leur sang. Et je crois que nous ne pouvons pas tolérer des choses comme ça sur un plateau de télévision aussi respectueux. J'entends dire que le président n'a pas le droit d'instruire aux membres du gouvernement. La constitution de notre pays reconnaît au chef de l'État qu'il est le chef du gouvernement. Et c'est lui qui répond devant le peuple congolais. C'est lui. C'est lui qui préside le Conseil des ministres. C'est lui qui donne la vision à suivre. C'est lui. Alors, lorsque le président pense qu'il y a des droits des Congolais, qu'ils méritent d'avoir, mais qu'ils n'ont pas. On me dit qu'il n'a pas le droit de venir instruire au Conseil des ministres. Peuple congolais, c'est faux et archi faux. Le président en a le droit. On me dit non, mais comment le président peut parler en lingala devant les étudiants? Devant les élites. Et ce sont des journalistes qui le disent. Nous savons que nous avons appris à l'école. Dans la communication, il y a ce qu'on appelle le message. Dans la communication, il y a ce qu'on appelle le code. Dans la communication, il y a ce qu'on appelle l'émetteur, le récepteur, le destinateur et le destinataire. Dans la communication, il y a ce qu'on appelle langue, langage, gestuel. Tout ça, ça compte dans la communication. Mais maintenant, regardez, le président est en train de parler du syllabus. Qui achète le syllabus? En réalité, ce sont des parents qui achètent le syllabus. Exact. C'est des parents qui donne les moyens aux étudiants pour que les étudiants achètent les syllabus. Avec leurs maigres moyens d'ailleurs. Alors maintenant, est-ce que tous les parents ont pour langue d'utilisation, la langue qu'ils utilisent, c'est le français? C'est-à-dire, via les étudiants, le président a passé un message aux parents pour dire, je comprends votre peine. Quand vous avez trois enfants qui sont à l'université et que cet enfant a par exemple 15 cours, et sur les 15 cours, il y a 10 où on oblige à l'enfant d'acheter les syllabus. S'il n'achète pas, il les récupère. Ça pèse sur qui? Ça pèse sur les parents. Et lorsque le président veut communiquer, il va adresser son message. Le destinataire sera qui? Nous sommes journalistes, chers frères. Nous sommes journalistes, s'il vous plaît.
Parlons comme journalistes et non comme politiques. Quand le président parle, il s'adresse aux parents via les étudiants. Et ça, il n'y a aucun péché, d'autant plus qu'on sait que notre président, c'est quelqu'un qui maîtrise le français, c'est quelqu'un qui parle éloquemment le français. Donc je ne vois pas où est le péché à ce niveau-là. Nous devons comprendre que nous sommes dans une dynamique de réponse aux problèmes des Congolais. Et c'est le président qui doit trouver des solutions aux problèmes des Congolais. On ne cesse de le lui répéter. Et mais lorsqu'il trouve des solutions, on dit, non, non, il n'avait pas le droit de donner des solutions. Il fallait que le ministre apporte des projets. Alors que c'était le tout premier conseil des ministres. D'accord. Merci beaucoup. Alors, vous avez dit une réaction. Tu as compris le dossier. Vous savez, j'avais été décidé avec ce régime de honte de ne plus encore lire même la Constitution. Parce qu'elles n'ont pas la culture de la Constitution. C'est abracadabra. Lorsque j'entends dire que, vous savez, cette Constitution nous avait été amenée. S'il vous plaît, je dois vous parler comme politologue juriste. Nous avons une constitution parmi les meilleures du monde. En son temps, on a fait tuer encore les gens sur base de mensonges. D'une genre, c'était l'acte de vente, cette constitution. L'acte de vente. Ce sont vos propos. Et les Congolais, je vous demande, si vous prenez du 1er au 229e article, qu'on vous donne au moins une disposition qui parle de l'acheteur du Congo et du vendeur du Congo. Et le Congo avait été vendu à quel prix? Parce que lorsqu'on vend, on mentionne les montants dans l'acte de vente. Mais cette constitution, sur base de laquelle on a prêté serment, sur base de laquelle on faisait, tu vois, les gens ici, ne touche pas ma constitution. Mais quelle a été même la première mission du rassemblement des tristes mémoires de Géval? Respect strict de la Constitution. C'est aujourd'hui, je suis écœuré sur le plateau, j'ai dit que non, c'est ce que on nous avait été amené. Mais le rassemblement, quelle a été sa première mission à Géval? Un peu pire encore, il a juste dit que non, c'est le président de la République qui est chef du gouvernement. Je vous comprends, vous n'avez pas l'habitude de tester. Mais comme je suis dans l'obligation de faire mon travail, pour lesquels Dieu m'a établi au Congo, à ma qualité du procureur général près les peuples, je dois lire la Constitution. Et s'il faut qu'on me réponde ici par une disposition contraire. Qu'on me raconte pas tout ce qu'on a rêvé la nuit. Article 90 de la Constitution. Tu es devenu amoureux de la Constitution de peuple. Je suis le procureur général près les peuples. Sous Kabila, c'était différent. Écoutez, alors, écoutez. Lis. Article 90. Le gouvernement est composé du premier ministre, deux ministres, des vice-ministres et les cas échéant des vice-premiers ministres, des ministres d'État et des ministres délégués. Il est dirigé par le premier ministre, chef du gouvernement. Sous réserve de réplique, dans mes minutes, j'aimerais d'abord qu'on m'oppose la disposition donnant au tout-puissant de la République, président de la République, le président n'est pas chef du gouvernement quand même. Qu'on me dise. Non, non, qu'on me réponde d'abord. Non, ici, s'il vous plaît, Peter. Tu diriges pas les mains. Il ne faudrait pas qu'on vienne ici, qu'on raconte tout ce qu'on a rêvé la nuit. Continue à parler. Tu as ton temps. Non, s'il vous plaît, dans une minute. Dans tes minutes. Dieu n'est à ces minutes où il va te répondre. Au lieu de faire le travail pour lequel il faut faire, on est dans le. On est dans le stratosphère. Ozawa Pina Congolais, non. Mouke Kouchi. Oh. Moi, je vais vous dire. Je vais vous dire. Courant, exaté. Mal, exaté. Nzela, exaté. Yébisanganan, peuple congolais, avec ce régime, à Kosepele, Nanine. Avec les promesses françaises, parlons de la gratuité du transport. Est-ce que vous savez que. Quelle est la société qui va assurer la gratuité du transport des étudiants? Transco, ici, avec 200 bus en circulation, dont les travailleurs accusent les impayements de 7 mois. Transcours, vous comptez Tolowana. Vous savez qu'ils acquisent 7 mois d'impayement. Vous voyez bien, non? Mais si on rajoute encore la gratuité, comment vont-ils vivre? Comment, mon frère? Bah, pour moi, ça va vous couper sa caca. Ah, où ça? Vous le faites sous l'effet de la. D'une autre chose, ou bien vous le faites en temps normal. Vous avez promis aux Congolais que Allemagne est au coma, Kinshasa est au coma, Allemagne d'Afrique.
Mais le budget est condamné comme les Allemands d'Afrique. Bon, le bataille Chypre était, bon, le bataille Pologne était. Vous connaissez le budget social de l'Allemagne. 260 milliards d'euros. Mais quel est votre budget général? Avec ces impayements qui pullulent ici, vous savez qu'au moment où vous tenez ce propos, la régie financière principale, DGI, ils ont 4 mois d'impayement. DGI, Direction Générale des Impôts. 4 mois d'impayement. Régie des voies aériennes, la RVA, 7 mois d'impayement. Cohydro, Sonahydro, Lelo, plus de 20 mois d'impayement. RVF, 15 mois d'impayement. Dites-moi, vous êtes état en quoi? On tue les gens tous les jours. Vous culpabilisez les enfants. Moi, je me pose la question. Vous qui marchez, qui allez piller les banques, vous savez, les rassemblements a pillé combien de fois les banques? Mais, lorsque l'État rétablissait l'ordre, vous parliez violation des droits de l'homme. Mais lorsque leurs enfants, 5 ans, 6 ans, 7 ans, dans l'Est, on a vu, dans la rue, oui. Gazés, arrêtés même. Des arrestations. Là, il n'y a pas violation des droits de l'homme. Des gens ont condamné aussi. Hein. Des gens ont condamné ça quand même. Hein. Or, tout enfant de moins de 12 ans, on lui reconnaît l'irresponsabilité irréfragable. Mais on a dit comment ces enfants-là s'est retrouvés là. Ça veut dire que leurs parents qui leur ont instrumentalisé. Ah bon? C'est ce qu'on a vous dit dans savez, le réseau. Avec, vous dites ça parce que vous avez la possibilité de sillonner Kinshasa, aller siroter un verre à tout moment et retourner aller passer la nuit. Aller voir comment mon peuple est massacré tous les jours. Le parent, moi j'ai un enfant de 6 ans. Je peux accepter que ma fille Esther de 6 ans, j'accepte qu'elle aille passer une nuit à la mairie, parce que pour une cause politique, si c'est pas pour la sécurité. D'accord. Je vais revenir vraiment. On se calme sur le plateau. On se calme sur le plateau. On retient ses émotions. On retient ses émotions, Nico Faimbikaï. On parle avec raison et on retient les émotions. J'aimerais quand même. J'aimerais quand même. J'étais pas donné la parole. Pardon. J'étais pas donné la parole. Oui. On doit rester zen. Les temps que Nico se reprennent. On parle Matata. On parle IGF. Et le rapport de l'IGF, on apprend qu'on a saisi le Sénat pour la levée des immunités des Matata. Matata dans le collimateur de la justice. Matata Pogno a réagi pour dire qu'il revient, il écourte son séjour au niveau de Guinée. Il revient faire face à une justice instrumentalisée. Eric, une réaction. Non, j'aimerais quand même, parce que l'émission a aussi une dimension pédagogique, j'aimerais vraiment à toute honnêteté que notre frère Djeli puisse retirer ça. Le président n'est pas le chef du gouvernement. Il y a quand même des enfants qui nous suivent à la maison. Ce n'est pas acceptable. Nous sommes quand même des élites. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Mais le président préside quand même le Conseil des ministres. Ce n'est pas le fait qu'il préside qu'il est chef du gouvernement. Le chef du gouvernement s'appelle Premier ministre. La Constitution est claire sur là-dessus. Exact. Il faut qu'on retire. Mais c'est ça, qui rejoint qu'ils n'ont pas écrit des textes. Oui, ça vraiment, on doit retirer. Pour interdire. Il va réagir. Honnêtement. Le fait d'accepter des erreurs ne relève rien à l'honnêteté intellectuelle. L'affaire Matata. Moi, Matata n'est pas défendable. Il faut le dire. Oh. Mais j'admire un peu son sens républicain parce qu'on a vu un chef de sécurité en clandestinité ici, en train de fuir la justice. Mais Matata. Quand tu fais allusion à Calais. Oui. Matata dit il va répondre. Moi, j'admire ce courage-là. Il a dit qu'il a les droits de se défendre. Mais dire déjà que la justice est instrumentalisée. Non, mais parce qu'il vient quand même à défendre, c'est que nous aimerions que notre justice prouve qu'elle n'est pas instrumentalisée. Nous aimerions un procès équitable. Pas des procès bidons que nous avons vécu ici jusque-là, comme les procès sans jour. Nous voulons un procès équitable. De Vital Kamerhe. Ouais, c'est un procès bidon. Ce procès-là ressemble vraiment à l'époque de Staline. Nous voulons un procès équitable. Matata n'est pas défendable. Mais justement, au-delà du procès, moi, je veux qu'on tire quand même les erreurs. Parce que j'ai comme l'impression qu'on nous répétons les mêmes erreurs. Ce qu'on a reproché à Bukangalon avant toutes les déviations, c'était le manque de respect de la norme. C'était un projet extra-budgétaire, Peter Tchani. À l'époque, les députés ont dit, comme c'est un projet extra-budgétaire, la loi des finances est claire, il faut revenir pour que les parlements puissent examiner, pour vous donner les quittis. Mais on a estimé que c'était l'urgence. On est vative. On confond souvent dans notre société vitesse et précipitation. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que Bukangalon a été le plus grand scandale des 18 ans de Kabila. 300 millions de dollars. Oui, c'était le plus grand scandale. Mais justement, quand je vois aujourd'hui les directeurs des cabinets du chef de l'État, alors que les mesures conservatoires ont pris fin,
aller dessiner. On n'en parle pas. Parce que vous, vous attendez les scandales pour parler. C'est comme ça que ça commence. Il y a un gouvernement là-bas. Il n'y a plus de mesures conservatoires. Au nom de quoi le directeur du cabinet doit aller signer les contrats avec un consortium là, avec les représentants en Afrique, pour revoir les contrats sur les ports des bananes. Alors qu'il y a un gouvernement. S'il y a litige, qui va devoir répondre? J'ai même vu le confrère et cher aîné Achille Kadima qui a tweeté sur ça, mais je vais, de Africa News. Je vais, c'est bien les procès de Matata, mais on doit corriger les erreurs. Nous ne devons pas répéter les mêmes erreurs. Et justement, Matata doit répondre devant la justice, il doit y répondre, il doit présenter ses moyens de défense. Il nous a toujours dit qu'il n'a jamais été coupable. L'occasion nous est donnée, mais nous souhaitons un procès équitable. Mais au-delà du procès Matata, nous pensons qu'on ne doit pas seulement s'attaquer à un camp. C'est l'impression que ça nous donne. Parce qu'il y a eu un conseiller de Félix trempé dans l'affaire de Bimiba, qui a disparu miraculeusement en prison. Un certain Lobo. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas la suite. Il y a aussi Eteni Longondo, qui a été cité dans les rapports de l'IGF. Nous attendons. Il y a eu l'affaire 15 millions. On a accusé tout le monde. Les rétro-commissions. Les procureurs a été saisi. Autant l'affaire Matata, autant. Sinon, on ne va pas nous donner. Je refuse qu'on nous donne l'impression d'une justice de vainqueur, où on s'attaque à un cas. Un état de droit s'oppose à la justice des vainqueurs. Il faut s'attaquer à tout le monde. Tout le monde qui a des dossiers devant la justice, il faut la même célérité qu'on a vu à Matata. Parce que je ne vois pas pourquoi on a interpellé Bakonga et Eteni Longondo doit continuer à circuler ici, pendant alors qu'il est cité aussi dans l'IGF. Exactement, l'IGF est cité, l'IGF même a porté plainte, il faut le dire, a saisi la justice. Oui, pourquoi cette lanterne? Nous voulons, jusque-là, on ne voit que les Matata, les Bakonga. Mais on ne voit pas les Lobos. Les Lobos, les Teddy Longondo, certains proches de Tshisekedi qui sont trempés dans certaines affaires, ça me donne l'impression. Mais Matata doit venir répondre. Moi, je ne suis pas à mesure, moi, de défendre Matata. Ça a été le plus grand scandale. Mais tirons des leçons que Guylaine Yembo arrête ce qu'il est en train de faire là-bas. Il y a déjà un gouvernement. Le rôle d'un directeur du cabinet, ce n'est pas d'aller dessiner les contrats. Un gouvernement est en place. Le président, s'il veut signer un contrat, il n'amène des ministres sectoriels. Pas son directeur du cabinet, parce que le contrat peut être examiné au niveau de l'Assemblée nationale. Et un directeur de cabinet ne peut pas répondre devant l'Assemblée nationale. Il y a déjà un gouvernement. Nous devons demander à Guylaine Yembo d'arrêter et sous prétexte de l'urgence. Ça nous amène des temps scandaleux. Respectons les normes. C'est la moindre des choses. D'accord. Dionis Kalinda, affaire Matata, IGF. Non, mais merci beaucoup. J'aimerais revenir sur la question qui m'a été posée par les juristes. Moi, je suis journaliste. Mais là, c'est une lecture d'un juriste qui est en train de faire le juridisme. Le juridisme qui vous dit que nous avons la meilleure constitution du monde. Mais c'est cette constitution-là qui, quand le président n'a pas la majorité, il nomme un premier ministre, il faut 9 mois pour qu'on ait un gouvernement. Et cette constitution-là, incapable de pouvoir gérer une question comme ça, c'est ça la meilleure constitution du monde. C'est un juriste qui vous dit ça. Moi, je suis journaliste. J'ai fait une analyse en tant que journaliste. Je sais que cette constitution ne donne pas véritablement le pouvoir du chef au premier ministre. Non. Regardez, on vient de le vivre, cher Peter. Le chef de l'État, une fois qu'on a mis Ilunga Ilunkamba outside, y a-t-il eu... Le téléphone ne s'ouvre pas, s'il vous plaît. Y a-t-il eu de conseil des ministres? Pour nous éviter de connaître les origines de vos téléphones. Avant même qu'il n'ait démissionné, il était encore en fonction. Le président n'a pas convoqué un conseil des ministres. Il y en a eu? Il n'y en a pas eu. C'est cette constitution. C'est une constitution lacunière qui ne fixe pas les véritables règles de jeu démocratique. Le véritable chef, si vous lisez entre les lignes de cette piètre constitution qu'un juriste sur ce plateau affirme aujourd'hui, c'est la constitution défendue hier par Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, tout le monde. Cette constitution, elle est devenue mauvaise conduite. Elle a toujours été piètre. Mais puisque c'est celle qu'on nous a imposée, on a imposé cette constitution aux Congolais. Mais vous allez faire avec quoi? C'est avec elle que nous allons faire. C'est comme ça qu'on ne peut gérer qu'elle est déçue. Mais elle a plein de lacunes. Les juristes avérés qui nous suivent, les constitutionnalistes, l'ont toujours répété. Il y a plus de 80 articles là-bas qui sont pleins de lacunes. C'est connu de tous. C'est le président de la République qui convoque le conseil des ministres. L'ordre du jour est décidé par qui? Du conseil des ministres congolais. C'est décidé par qui? Par le premier ministre.
Arrêtez ça, dit. Il n'est pas chef du gouvernement. Nous sommes journalistes. Lorsque nous faisons des analyses, nous devons éviter de tomber dans les juridismes. C'est-à-dire faire un débat juridique alors que nous sommes en train de parler des réalités. La réalité, c'est quoi? C'est que chez nous au Congo, quel que soit ce qu'on vient de vous lire là-bas, il est le chef du gouvernement. C'est le président de la République qui décide de l'ordre du jour. C'est lui qui convoque le conseil des ministres. C'est lui qui le préside. Point barre. Donc il est chef maintenant, du gouvernement. Oh, s'il te plaît. Maintenant, parlons du premier ministre Matata Ponyo. Non, mais à un certain moment dans ce pays, nous devons savoir faire profil bas. Nous avons un citoyen congolais. J'aime bien l'appellation du citoyen, comme le président Mbosso. Parce que citoyen, ça nous renvoie vraiment à l'appartenance, à la patrie, à la bonne vie, aux mœurs. Ça nous rappelle citoyens et citoyennes. Bon, voilà, ça c'est une autre donne. Alors, le citoyen Matata Ponyo fait face au travail d'un autre citoyen congolais qu'on appelle Gilles Alinguete. Gilles Alinguete. Qui fait un travail très admirable, qui a valorisé cette institution, qui a toujours existé. L'IGF. Qui commence à faire peur. L'inspection générale des finances. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Sous Kabila. Sous Kabila, ça a existé. Mais ça, pourquoi ça n'a si pas... Si bien que le professeur Luzo Lobambi avait fait des rapports, tout ça, on n'avait jamais entendu parler de l'IGF à l'époque. Mais aujourd'hui, nous avons un compatriote, un citoyen digne d'être appelé citoyen, qui fait un travail. On ne peut pas dire que c'est parfait. Il fait un travail, il peut y avoir des failles, mais il fait un travail qui permet à la République aujourd'hui de retrouver ses lettres de noblesse. Mais maintenant, il y a des enquêtes qui sont menées, il y a des audits qui sont menés. Monsieur Matata Ponyo doit venir répondre de sa gestion, des fonds publics, des deniers publics. Mais c'est en ce moment-là qu'on voit dans les réseaux sociaux des documents qui commencent à circuler, une liste, on met là-bas Moïse Katumbi, on met là-bas Ramazan Chadari, on met là-bas... On cite des personnalités pour opposer M. Alinguete à tous les dignitaires du régime Kabila, comme s'ils étaient tous poursuivis. Non. Pourquoi on veut mettre les chefs devant les bœufs? Non. Apaisez-vous, soyez calmes. On sait que cette liste-là vient des officines politiques. Mais lorsqu'on analyse, on scrute, on sent que tous les autres FCC n'ont pas intérêt à produire une liste comme ça. Le camp Moïse Katumbi n'a pas intérêt à produire une liste comme ça. Le camp Tshisekedi n'a pas intérêt à produire une liste comme ça. Alors, il reste un seul camp. C'est quel camp? C'est le camp de Matata Ponyo, bien entendu. Parce que s'il faut rester rationnel dans le raisonnement, c'est le camp de Matata Ponyo qui tire profit d'une liste comme ça parce que ça amène le flou. Pour créer la diversion. Nous sommes tous dedans et tout, voilà. Et ça va susciter une certaine sympathie à l'endroit de Matata Ponyo. Non. Monsieur Matata, j'ai lu, il dit une justice instrumentalisée, mais il ne dit pas par qui. C'est très facile, mais en tant que scientifique, quelqu'un qui a un think tank, qui prône l'excellence et tout ça, mais quand il dit la justice congolaise est instrumentalisée, premier ministre de il doit son, aller jusqu'au bout état. De sa logique. C'est quand même fort. Hein? C'est très fort. Il doit aller jusqu'au bout de sa logique pour dire aux Congolais, voilà, la justice est instrumentalisée par l'UDPS, par Ensemble pour la République, par le FCC. Il doit aller jusqu'au bout de sa logique. Mais bon, on l'attend qu'il vienne. Nous voulons vraiment un procès qui puisse nous donner la lumière sur ce qui s'est passé, mais pas seulement s'arrêter là, et obliger, parce que ça devient comme une habitude, on amène quelqu'un devant la justice, ben, et on dit qu'il avait volé autant de millions, et un procès, et puis il ne retourne pas les deniers publics. On doit aller jusque-là. Il accepte, il va en prison, mais... On doit aller jusque-là. S'il a des biens, on prend ces biens-là au profit de l'État congolais. On pense bien au parce que quelqu'un peut se dire, je vole 10 millions, on m'arrête. Ouais, on va m'arrêter, je reste là en prison. Il mène une vie de bourgeois dans la prison là-bas. Toi, tu en as l'expérience, tu connais des gens qui vivent mieux que certains Congolais qui sont à la cité. Tout à fait. Donc, il est là-bas, il gère ses millions. Il sait que, bon, à des temps, un moment à l'autre, il obtiendra une libération, je ne sais pas par quelle voie. Et puis, il continue sa vie. D'accord. Merci beaucoup. Moudjahidine du peuple, affaire Matata.
Oui, je vous ai dit que non, lorsque j'accepte de venir... Je suis content, tu t'es ressaisi, je voulais que tu te ressaisisses. Lorsque j'accepte de venir avec mes maigres moyens, avec les difficultés de transport, demi-terrain, 1 000 francs, et qu'on commence à nous dire que non, nous on est journalistes, on n'a pas besoin de respecter la Constitution. C'est quel concept? C'est comme ça qu'on vous gère le pays aujourd'hui. Selon vos intentions, tout ce que vous avez rêvé la nuit, si vous avez rêvé la nuit aujourd'hui de faire partir Peter de son vrai journal, on viendra, on va vous faire partir. On va vous faire partir. On marche sur la Constitution. Est-ce qu'on connaît ça? D'abord, le statut de leur parti, ils connaissent ça. Ouais. Denis, il est journaliste sur le plateau. Il n'est pas dans un parti politique. J'ai dit. Ah, de l'heure, vous dites l'heure. Lorsque vous avez offert aux gens du Rassemblement et soudé sur comme Boutiste et leurs enfants, c'est... Hein? Faut-il encore parler des textes? Il y a aussi des Mobutistes autour de Joseph Kabila. Écoutez, vous les Congolais, vous avez un problème. Nous les Congolais. Écoutez. Avec toi. Mais nous parlons République démocratique du Congo en 2021. Très bien. Vous ne faites que citer le nom de Kabila. Pourquoi, mes frères? Nous sommes déjà presque mille mandats. Mais il perçoit 670 000 dollars à chaque fin du mois. Oui. Comment vous voulez que les Congolais l'oublient? Ce sont des prérogatives. Récemment, ici, il vient de percevoir ces 670 000. On va l'oublier comment? Ce sont des prérogatives légales. Voilà. Si l'Assemblée nationale, ou bien le parlementaire en général, estime que c'est trop, mais qu'ils initient une démarche, qu'est-ce qu'on entend par d'état de droit? État de droit, ce n'est pas ce que vous avez rêvé, non. État de droit, c'est quoi? C'est le respect d'abord de la Constitution. Très bien. Dans son intégralité et des autres sectoriels. Oui, Matata Ponyo. Comme cette histoire, on en a beaucoup entendu. Mm. Moi, j'attendais que cette étape arrive. Très bien. Pour qu'on ait au moins une idée sur l'argent de mon peuple. À ce stade, il bénéficie de deux choses. Comme vu la gravité des montants, il a bénéficié de la présomption d'innocence. De même aussi, sur lui pèse la présomption de culpabilité. Mais à ce stade, nous ne pouvons pas commenter. Et je suis heureux, comme les bruits ont commencé et qu'un acte aurait déjà été envoyé et que lui se trouvait à l'étranger. Mmh. Et comme il a tuté, acceptant de retourner, pour qu'on tire... Mais il parle de justice, il parle déjà de justice instrumentalisée. Est-ce que, même vous là, vous ne savez pas que non, vous avez une justice injuste. Vous ne savez pas ça. Ah bon? Vous-même, même je dis tout là, il sait que nous avons une... Soufati ou Soukabila? Non, il ne faut pas m'épingler. Nous parlons de cette histoire qui se passe aujourd'hui. Dites-moi, si la justice était juste, les membres de la commission de lutte contre la corruption de la présidence, ça dit... On va vous chercher en Europe où vous étiez là. On dit, venez, nous avons le travail. On vous prend au travail. Vous allez lutter contre la corruption. Les mêmes qui sont chargés de lutte contre la corruption, on les arrête, met dans le sac. Au Tigala, comment on a procès? Au Tigala, comment on a procès? Répondez, non? Vous ne me posez pas Mais c'est ça la justice, non? Vous ne me posez mais, pas de questions. Moi, je ne fais pas d'une justice zombie. Je ne fais pas d'une justice vampire. Qui me fait peur et toi qui ne fais pas peur. Ça fait aujourd'hui... 300 combien? 300 cherche les papiers. 305 jours depuis que les familles des victimes de la marche du 10 juillet de l'année passée, d'accord, marche organisée contre Malonda pendant la période d'état d'urgence, le parti présidentiel a organisé une marche violant cette loi. Il y a eu à Kinshasa 4 morts, un policier. À Lubumbashi, 9 morts, plus de 40 disparus. Avez-vous vu le procès? Mais moi, Moudjadine du peuple, 17 jours plus tard, j'organise une marche pour que les écoles soient ouvertes. J'organise une marche pour qu'il y ait, pour lutter contre la famille. On t'interpelle. On m'arrête. On m'arrête. D'accord. C'est ça l'état des droits? D'accord. Ah non, on a vu le président haï. Du parti présidentiel. De l'UDPS. Jean-Marc Kaboul. Ça mène avec les badauds. Aller piller le palais du peuple. Vous avez vu le procès? Ça mène avec qui? Avec les badauds, les colonnais. Vous avez vu le procès? Les images sont là. Où était la justice? Lorsque le président des États-Unis d'Amérique fait un mot, ses partisans vont envahir
Mais l'état de droit a fait son travail. Il a la présidente de l'Assemblée nationale américaine l'a poursuivi. Ni t'étais cet état de droit. L'état de droit américain aimerait que, même s'il y a faute, mais pour que le président soit destitué, il faut réunir un certain nombre de signatures. C'est ce qui a bloqué. Ni t'étais cela, on l'aurait destitué. C'est ça l'état de droit. Mais vous me parlez, pendant la même période de corruption, ceux-là qui sont condamnés pour corruption, dans moins de 6 mois, on les gracie. C'est quoi ça? Sans oublier le procès bidon et des jugements iniques. Inique, je ne dis pas unique, inique. I-N-I-Q-U-E. I, oui. C'est-à-dire un mauvais jugement. Insensé. Bon. D'accord. Bon, moi, ça ne m'étonne pas. Vous savez, avant que les Mobutistes, dans ce pays, 1995, ici au stade Kamagnola, n'avez-vous pas vu Pelé Mungo confisquer la coupe? Parce que entre le match entre Vita Club et AS Bantu, parce que Vita avait perdu, ça aurait été sa troisième coupe de trophées d'affilée. Mais on a vu Pelé Mungo, président d'un parti, d'un club, aller ravir la coupe auprès des ministres. 95, ici au stade de Kamagnola. Ce ne sont pas les mêmes faits que nous vivons aujourd'hui. Dans le bon monité. La justice instrumentalisée. Est-ce que nous, justice, oui. Parce que quand on parle de la justice ici, vous voyez les matates, hein. Mais combien ces anonymes-là sont victimes de l'injustice aujourd'hui? Et que notre justice ne fait rien. Ça, on doit revoir. J'invoque ici les cas de la sœur de Bemba. Déshérité illégalement par celui qui prétendait être président de ce pays. Il est allé en justice et Bemba est en train de saboter la justice. Mais je me demande comment quelqu'un qui prétendait être président de la République, qui est tenté de déshériter ses frères et sœurs, qui ne sait même pas gérer le patrimoine de son père. Parce qu'aujourd'hui, nous avons célébré la liberté de la presse, on parle de la vie publique et privée. On nous interdit, nous, d'attaquer la vie privée des gens. Mais justement, rien que par la vie privée des Peter Tchani, vous pouvez constater, dans ce cadre-là de la vie privée, s'il peut gérer la vie publique. Oui, mais Strauss-Kahn, c'était une vie privée. Oui, alors... Monica de Whisky avec Clinton, c'était une vie privée. L'affaire Mazarine. L'affaire Mazarine, voilà. Il n'y a pas d'impact. Il y a un ministre qui a créé du scandale en Égypte, là-bas. Aujourd'hui, on est même en train de parler, je sais dire, à la télévision, Brigitte Macron, aujourd'hui, avec un monsieur, voilà. Donc, il n'y a pas... Moi, je pense que c'est cela. La justice, ce n'est pas seulement pour Matata, c'est pour tout le monde aussi. Comme pour la sœur de Bembala, qui réclame la justice. Mais on a vu, parmi les éléments que vous avez publiés, vous êtes quand même un journaliste assez informé. Vous avez publié un article de l'IGF où vous êtes en train de dire que l'IGF va traquer plusieurs anciens ministres, des mandataires, des anciens gouverneurs. Est-ce que l'IGF n'est pas aussi en train de s'exposer, un danger pour lui, pour de vouloir traquer tout le monde? Est-ce que même Jules Alinguette et sa vie ne seraient pas en danger, là? Moi, je n'aimerais pas entrer là. L'IGF peut bien faire son travail, mais le plus grand rapport pour lutter contre l'impunité, ça s'appelle la justice. Mm-hmm. La justice pour tous. Pourquoi seulement Matata? Matata est cédé à l'IGF, ok. Bakunga non plus. Mais il y a aussi Eteni Longono. Il y a aussi certains proches de Tshisekedi qui sont cités dans ces rapports. D'accord. Pourquoi il y a la lanterne de la justice? Où est l'homme de My God? Oui, pourquoi il y a la lanterne de la justice? Serge Kassanda. Où est l'homme de My God? Nous voulons une justice pour tout le monde. Vous savez, au Cameroun, il y a eu ce qu'on a appelé l'opération Épervier. Il y a eu un président là-bas, Biya, qui avait nommé un procureur spécial. Même ses proches ont été condamnés. D'accord. Parce qu'on dit qu'on doit retourner l'argent. Mais pire encore, dans les procès des 100 jours, les gens trempés qui ont détourné l'argent, non seulement ils n'ont pas remboursé, mais ils ont bénéficié de la grâce présidentielle. Je dis bien, grâce présidentielle. Alors, on veut tromper qui dans cette affaire-là? Qui cautionne l'impunité? Denis va réagir quand même. Denis, réaction. Non, mais vous savez... On parle de la justice instrumentalisée. Le pays est dans une phase de renaissance. Nous devons renaître. Parce que nous avons payé, on nous dit, on vous dit sur ce plateau, pourquoi vous devez parler de Kabila alors qu'il est déjà parti? Non, Kabila n'est pas parti. Comment ça, Kabila est parti? Hein? Son système est là. Kabila est parti en tant qu'individu, en tant qu'homme qui était président. Mais il avait un système qu'il a mis en place qui a fait 18 ans. Un système qui a fait 18 ans. Alors vous pensez que ce système-là, en 2 ans, vous pouvez le déboulonner et le faire partir? Non, 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 non. Les choses ne marchent pas de cette manière. Vous pouvez être le responsable, même si vous n'êtes pas là, mais si vous avez laissé votre système, le système va pérenniser vos idées. Mais les bas qui sont là. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de notre justice, de la justice de mon pays.
C'est devant cette justice-là où, quand je suis lésé, j'irai. Je dois faire attention de quelle manière je parle. Parce que nous n'avons pas que de mauvais. Une minute. Nous n'avons pas que de mauvais magistrats. C'est devant cette justice que les journalistes sont partis aujourd'hui, ils sont sortis. Hein. Voilà. Contrairement à hier, sous... Nous ne pouvons pas dire que notre justice est instrumentalisée et puis nous frotter les mains, nous dire que nous sommes les hommes les plus heureux. Non. Nous avons des bons magistrats. Nous ne devons pas les mettre tous dans un même sac. Très bien. Si hier, le régime de Kabila nous avait dit que nous avons des magistrats de 3V, nous ne pouvons pas considérer que tous sont dedans. Il faut, si nous voulons évoluer, nous devons nous poser la question. Dans les 10 dernières années, qu'est-ce qui a été fait pour le magistrat congolais? Qu'est-ce qu'on a fait du magistrat congolais? Qu'est-ce qu'on a fait des étudiants en droit? Qu'est-ce qu'on a fait des étudiants qui ont cette passion-là de devenir magistrat? Qu'est-ce que maintenant nous pouvons faire aujourd'hui pour que demain nous ayons une justice parfaite, même si ça n'existe pas sur cette terre des hommes? C'est comme ça que nous, Congolais, nous devons apprendre à parler. Mais lorsque vous êtes en face d'un journaliste qui, pendant 50 minutes, il ne voit que le mal de son pays, il ne voit que des choses qui ne marchent pas dans son pays, il ne voit que la mort, nous mourrons tous. Nous allons mourir. Ce régime va nous tuer. Il ne respecte pas les textes. Il ne respecte pas la constitution. Les journalistes ne respectent pas la constitution. Vous allez voir. Non, ça, c'est le pessimisme qui vise à mettre le Congolais dans le désespoir. Et si un peuple sombre dans le désespoir, la nation n'existe pas. Mais est-ce qu'il y a encore espoir d'eux? Est-ce qu'il y a encore espoir? Alors, avant que vous ayez votre mot de la fin, il faudrait quand même dire que... au pire, ça qui sans frein, comme 150 francs. Ça, c'est mon chauffeur qui m'a dit. La destitution de Zoé peut bien faire politiquement aux ennemis, ou aux uns, aux amis et tout. Mais ce que Dienit dit est très important, que la procédure, la manière de faire, doit être bonne pour ne pas exposer le président de la République. L'important, au-delà d'avoir le pouvoir, il ne faudrait pas faire les mêmes choses que le pouvoir décrié. On cherche le pouvoir pour agir différemment. Lorsqu'on prend le pouvoir et on agit en justifiant ce qui a été fait hier, on est en train d'aller à côté de la plaque. Et la destitution de Zoé Kabila, bien que je ne sois pas proche de ses idées, pense qu'a fâché la loi et a dérangé beaucoup de Congolais. Il faut respecter la norme. Mais au-delà de Zoé, il y en a aussi qui font mal aux Congolais. À Kinshasa, par exemple, on est où avec Zando? Le président de la République était allé près de lui, le tout-puissant gouverneur Gentil Ngobila. Mais j'ai fait un tour à Zando. Des familles aujourd'hui qui pleurent, aucun travaux n'avance. Et lorsqu'un vice-gouverneur parle, au lieu de destituer le gouverneur qu'on accuse, c'est le vice-gouverneur qu'on destitue à Kinshasa. Ça pose aussi problème. Tout ça sont des éléments qu'il faut voir. Mais aux jeunes Congolais, soyez confions-vous. L'avenir du Congo est beau. Il est beau, je vous le dis, moi, Tiani. Battez-vous pour votre pays. Sous Kabila, moi, j'ai créé une société, je vis. Nkomfaï a fait des choses. Eric Wemba et Dunit. Au-delà de la situation du pays, vous pouvez être l'héros de votre propre vie. N'attendez pas tout de Kabila, de Tshisekedi, d'Emboso. On est trop en politique. Quittez de la politique. C'est vrai que la situation est difficile, mais battez-vous vous-même. Vous pouvez être l'héros de votre vie, de votre famille, de votre entourage et de votre pays vous-même. Croyez en vous. Faites des bonnes études et ayez l'esprit de l'innovation. Parce que le bout dans lequel vous vous trouvez peut être un bon endroit pour faire une fondation et remonter. Soyez innovants et apportez du meilleur pour votre pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Bravo.